Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM. Moments gênants, dérapages, anecdotes qui croustillent, tout est dans le débrief de la semaine sur RFM. Je sais pas pourquoi, mais j'ai dans l'idée qu'Hugo va se foutre de notre gueule, mais sévèrement ce matin. Bonjour Hugo. À peine. Salut tout le monde. On retiendra de cette semaine que Caro a pleuré toutes les larmes de son corps en écoutant Anne-Sila en live. C'est vrai. Elle était toute émue là, tutu. Mais on retiendra aussi des rires. Et quel rire ! Cette semaine, on a trouvé une étude qui recensait les prénoms ainsi que les villes des personnes les plus infidèles en France. Et ça a fait marrer Albert. Donc je résume, hein, si vous appelez François, Julie, Stéphane, Hélène et Patrick, et alors que vous vivez à Lille, on sait ce que vous faites de vos journées. Ça va, pas la peine de nous mentir, les gars. Le rire est tellement fou que je me suis permis de l'isoler. Ah oui. Et si on rajoute un peu de montage, on dirait votre voiture qui a du mal à démarrer à cause du froid. Ah oui, ça va rester ça. C'est débile, mais j'adore. Sinon, cette semaine, il s'est passé quelque chose qui est passionnant à vivre. Les trois personnes qui sont le plus en studio sont Lucas, le réalisateur, Albert et Caroline. Et entre Lulu et vos animateurs préférés, il y a un petit écart d'âge qui peut se ressentir parfois. La preuve. Bon anniversaire à Oum le Dauphin, à Ben Stiller et à Roger Glover également. Et si vous prénommez André, c'est votre fête. J'ai envie Bonne de galac. Fête d'été. Dans une brioche. Et pourquoi ? Bah, le oui. Dauphin blanc. On va t'expliquer. Et oui, c'est ça comme si j'étais idiot. C'est un enfin, nom. Enfin. Oui. C'est compliqué d'avoir, quand on a 21 ans, d'avoir toutes les références des plus anciens. Par exemple, si je parle de Michou, Lucas, il va penser directement au youtubeur qui a fait Danser avec les Stars. Alors qu'Albert et Caro, ils vont me regarder, ils vont dire « Quelle belle soirée !» Habillé en bleu avec des lunettes. Ouais, c'est vrai. Allez, on passe au dernier extrait. Comme vous le savez, tous les matins, on commence l'émission avec un titre qu'un membre de l'équipe choisit. Et Caro, cette semaine, elle a choisi « Chain Reaction » de Diana Ross. Et voici pourquoi. Mais c'est juste que j'ai l'impression que sur cette chanson, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Je vous dirai toujours oui. Il y a un truc tellement positif. Lucas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Est-ce que tu peux payer mon loyer, Caro ? Pour Noël, j'aimerais une PS5. Mais oui, on joue à Ni Oui Ni Non. C'est perdu. Je vous offre bravo tout. Hugo, bravo Hugo Delbecq qui est avec nous pour le débrief tous les vendredis matins. Et cette séquence est disponible sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Le Meilleur des Réveils, c'est seulement sur RFM.